Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc une vidéo tuto, comme vous pouvez voir on est sur Google Chrome. Donc pour Google Chrome, ce tuto ça va être vraiment simple. Ce tuto c'est comment vous mettre une map sur la nouvelle version de Minecraft 1.6.2, qui est on va dire relativement assez simple. Donc déjà, vous aurez ce premier lien, donc il y a deux liens qui existe pour mettre des maps, des mods. Les mods, je sais pas encore comment on les met. Les maps, je sais, et les ressources pack aussi. Donc déjà, il faut voir que si c'est bien dans votre version. Donc si c'est la version 1.6.2, si c'est cette version-là, c'est bon. Pareil pour là, voilà, là c'est pour la 1.6. Pour ceux qui ont acheté Minecraft, qui ont le launcher, vous pouvez retourner en 1.6.2 et en 1.6. Voilà, je voulais dire ça. Donc le deuxième lien sera dans la description. Attendez, ça sera là. Attendez, hop, on va directement se rediriger vers les maps. Donc map aventure. Vous allez dans ressources et il y a plein d'autres maps. Hein. Voilà. Donc là, vous aurez ce lien dans la description. Dès que ça c'est fait, par exemple celle-là me plaît, je clique dessus. Hop, je regarde un peu. Ouais. Vous lisez si vous voulez les règles. Voilà, donc dès que vous êtes arrivé ici, ici il dit le lien de la map et du pack de ressources à télécharger ici. Donc vous cliquez là, voilà. Et ici, par exemple, vous laissez de map, vous cliquez sur l'image aussi, vous descendez tout en bas. Et vous cliquez ici. Bon, moi je veux passer de map, donc je télécharge pas. Hop là. Téléchargement va... Là, voilà, hop. Et dès que vous êtes arrivé sur MediaFire comme ça, vous cliquez ici, dans le land. Hop, voilà. Et hop. Hop là. Voilà. Donc là, il reste plus qu'à attendre. En attendant, pour ceux qui ont Windows 7 et 8, non, Windows 7 surtout, vous cliquez sur la touche démarrer, où il y a le petit truc démarrer. Et R en même temps. Ça vous ouvre comme ça. Et pour ceux qui savent pas comment il faut faire, ben vous faites comme ça. Et voilà. Donc dès que vous êtes arrivé comme ça, dès que vous avez vous marquez pourcent, AP data pourcent, et là vous faites OK. Dès que vous êtes arrivé là, vous allez dans point Minecraft. Vous avez ça, c'est le launcher, tout ça. Vous allez dans tout save. Là c'est mes deux maps. D'ailleurs que j'ai fait, non. Voilà, donc là il reste plus qu'à attendre que ça se termine. Donc pour que ça aille un peu plus vite, on se retrouve à tout à l'heure. À tout à l'heure les gens. Donc c'est reparti. Donc là vous pouvez voir que re tout le monde plutôt quand même. Pardon, excusez-moi, re tout le monde. Et donc c'est reparti. Donc là on l'ouvre dès que c'est fini. Et ça vous donne ça. Donc ferme ça, hop. Là c'est les packs de textures. Oui, ça c'est pas de texture. Donc là c'est la map. Donc ça on peut fermer Google, hop, et on laisse ça ouvert. Donc vous prenez la map comme ça et vous faites glisser. Voilà, hop, et là vous lâchez. Et voilà, la map y est. Et en même temps pour le ressource pack, pour ceux qui veulent savoir, vous allez normalement dans celui-ci, ressource pack, vous ouvrez et je prends par exemple 128 x 128 et normalement voilà. Donc ce petit tuto était vraiment court. J'espère que ce tuto vous aura plu. S'il vous a plu, abonnez-vous, likez. Et puis, on se retrouvera pour un prochain tuto. Ciao tout le monde!